Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de Marty, Pocket Marty. On se laisse exactement là où on s'était laissé avant en fait, parce qu'on tourne à la suite et du coup on va essayer de battre enfin, réussir à battre le premier, la vraie première zone après avoir vu le conseil. Parce que là, les deux essais ont été super durs, les dresseurs étaient super pathétique. Forts. Pathétique. Ne va pas jusque là, hein, c'est pas très gentil. Pathétique. Donc on est dans une nouvelle zone, on va essayer, parce qu'on a une zone différente à chaque fois, ça, je trouve ça assez hallucinant en fait. Oh damn. Pourquoi on a la musique, on a toujours la musique comme ça? Je sais plus. C'est bizarre, c'est la musique du... C'est quoi ça, c'est un truc console, c'est un truc spécial ou... Ah non, ok. On peut passer là, ok, très bien. Donc là, on va se faire un maximum de dresseurs, en fait. Hein. On va pas les éviter, parce que au moins, ça nous fait monter. Hein. 160 décibels. Bzzz. Au moins, on va pouvoir augmenter de niveau, espérons, les faire augmenter. Parce qu'on a un Morty débraillé qui est niveau 6, quand même. Donc, ouais, c'est contre un Morty débraillé. Exactement. Donc, on va faire un petit claquement. On a quand même deux niveaux dessus. Ah, il a deux Pokémon, lui. Oui, non, un seul, par contre. Non, je dis des bêtises. Je pensais qu'il en restait un, mais non, c'est... C'est lui, quoi. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'argent, donc est-ce qu'il est pay to win beaucoup le jeu? Je crois pas, je pense qu'on peut avancer quand même sans payer, tu vois, mais... Oui. Bon, là, on a bien réussi, on est 60 mechas, une pierre plutonique... Bon, bien. C'est bien. Bon, pierre plutonique, on a un peu rien à foutre, mais c'est bien quand même. On n'a rien par là... En fait, cette zone-là, c'est marrant, la musique, c'est la musique de Rick and Morty classique, quoi. Ok, on a notre dresseur ici. Ici à droite, on n'a rien. Et ben, allons-y. On voit l'habitude du jeu Pokémon, quand même. D'accord. C'est tout. Bah, on regarde, c'est des objets, c'est normal, tu vois. On regarde avec son petit truc Morty. Oh. Ah, Morty publicitaire, type papier. On va changer. Ah, ouais. Là, faut pas déconner, on perd un tour, mais. Time to take him out. Dismark. Ouais, ok. Explosion. Ouais. Explosion dans ta gueule. Ok, le type normal est bon contre le type papier. Ça va. Donc son attaque augmente. Ah non. Non, mais tout à l'heure, t'avais le rythme normal contre le papier et ça marchait pas super bien, tu vois. Ça dépend des attaques, comme tu disais. Ouais, puis là, c'est un coup critique qui m'a mis donc. Ouais. Donc là, 1 HP, c'est un peu casse-couille, quoi. Ça s'améliore un peu, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et là, je vais rater mon attaque. Non, c'est bon. Ok, bon, on arrive quand même à les battre pour l'instant. Au moins, voilà. On a un Morty qui est passé niveau 6, non. Comme l'autre. Il gagne plus 1 PV, plus 2 machin, plus 1. Et il a pris pleurs. Il a eu quoi, des Schmeckles? Est-ce que j'ai de quoi soigner? Putain, non, mais vas-y, donnez-moi de quoi soigner. Ah, on a un tube de machin. On a encore. Ah, on a un sauvage. Et j'ai pas de Pokéball. C'est pas des Pokéball. Ah, on a un objet là. Oh, okay. L'objet pas de bon tout de suite. Rick, tu fais de cette dimension une dimension désordonnée. Arrange ça en t'expansion d'ici. Ok, le mec, c'est qui lui? Falargo là? Putain, il est méchant. Ah, Morty moustachu et on sort notre type pierre. Très bien. Allez, passe niveau 7, ce serait trop cool. Claquement, allez, direct. Ça va faire trop mal. Il est niveau 5 en plus, toi donc. Ouais. Théoriquement, voilà, on peut le vaincre en deux coups si on se débrouille bien, si on a de la chance. Yeah, baby! C'est bon ça. Là c'est bon, je suis content. Voilà. Passe niveau 7. Au top. Par contre, on n'augmente pas de vie, je crois pas. Quand on passe de niveau, on gagne pas de vie. Dans Pokémon, normalement, on gagne de la vie. On est un peu soigné, quoi, et là, non. Ah, cool, je suis content. Là, ça se passe bien, cette dimension. Par contre, j'aimerais bien que ça marche bien. Voilà. Tu vas trouver un point d'exclamation, trop cool. Oh, une boîte de concert, ouais. Il y a un petit bug au niveau des noms des objets quand tu les prends. Tu penses c'est ça? Ouais, à chaque fois en fait, dès que tu prends un truc, ça met tu as trouvé. Ouais, je sais pas si c'est un bug ou. Oh, on a un Morty chelou. Qu'est-ce que c'est son Morty? Il a deux têtes. J'ai laissé le four allumé. Ok, un Morty a deux têtes. What? Ah, Morty doublé, elle est dégueulasse. Ah. Elle fait trop peur. Je le veux. Oh, bah niveau 4. Il fait examiner, il rate son attaque en plus. Bon, si c'est comme ça, c'est très bien. Allez, on a battu le Morty à deux têtes. Ouais, ah oui, mais bon,
C'est déjà ça, c'est déjà ça. Ok, il va libérer un autre Morty, en trouver un autre. Super sympa pour son Morty. Je voudrais la boîte de conserve, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé. Point. Okay, on a un vieux Morty. Oh cool. Bon, lui, un Morty karatéka ou judoka. 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 Ok, ça ne résiste pas là, c'est rouge en judo. Je ne suis pas judoïste. Je crois pas. En tout cas, c'est l'autodéfense. C'est un type pierre, c'est un peu chaud. Et on va revenir dans un nouveau monde, mais au moins on monte de niveau, on monte de niveau. Après, bah, c'est cool ça, il y a de la difficulté, ce qui est pas plus mal. Ouais, ouais, heureusement, hein, pour un jeu Android comme ça, c'est cool. Quoi. On réussit à le battre, c'est bon tout ça. Par contre, on a un autre dresseur derrière, on est toujours pas au. Et toujours pas de trucs pour soigner, par contre là, c'est un peu abusé. Ah non, moi je veux des trucs pour me soigner, alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Tu peux acheter des objets chez Eric le vendeur directement depuis ton Mortipad. Ok, bon, c'est pas bête. On va voir ce qu'ils nous vendent. Ah, du sérum à 250. Ouais. Bah écoute, je vais en acheter deux. Hein. Bah chouette, mes Morty. Hein. Oui. C'est con, mais. Bah en fait, je vais les soigner. Bah ouais, si, utiliser objet. Ah non, utiliser objet, faut sélectionner. Je vais utiliser des sérums pour les soigner. Alors, c'est mon Morty que j'utilise ou c'est mon Morty des Braillés que j'utilise beaucoup? Je vais lui mettre une pierre plutonique aussi, pour augmenter les PA. Allez. Je crois que j'ai sélectionné le mauvais, hein. Non, c'est bon. Allez. Ok, tout va bien. Ok, en fait, on peut acheter quand même pas mal de sérums avec l'argent qu'on se fait. Ouais. Donc, ouais, ça vaut le coup de battre des dresseurs, de gagner de l'argent, de pouvoir s'acheter des sérums et pour autant de monter de niveau. Ouais. Il y a un truc à faire, quoi. Le mec il me parle n'importe comment, c'est trop cool. Merde, il a. Ouais, il a une poupée de Morty. Ah, encore un Morty décolleté. Tiseau, très bien. Claque-moi dans ta gueule. En plus, niveau 4. Il va avoir mal aussi. Oh, ça fait mal. Ah, ouais. Drain. Provocateur. En plus, c'est une attaque de buff, ce qui est très bien. Du coup, il me fait rien. Et bang. Bam. Bah, c'est bon ça. Ouais, c'est cool. Par contre, on monte de combien par rapport à la jauge? Ouais, c'est pas énorme. Là, c'est 10, hein. Et sur son Schmeichel, en sachant qu'un truc coûte quand même 250. Ah, tu as eu. C'est quoi ça? Des Schmeichel. 110 Schmeichel. Une pierre plutonique. Oh. Un tube. Ah, c'est pas mal quand même. Et tu as trouvé. Ah, tu as vu le truc. Ah oui, c'est vrai que t'as le truc avec. Bah, c'est quoi que j'ai validé? À battre tout le monde en fait. Non? C'est quoi le petit i en fait? Ouais, bah je pense que c'est ça. Mais c'est... Ah ouais. Oh, c'est quoi ce Morty? C'est un Morty robot? Ce Rick, pardon. On va essayer de le battre. On devrait pouvoir le battre, hein. On est pas trop mal là. C'est un robot? Ouais. Ah, le robot! Execute! C'est user Rick Battle Program. C'est vraiment drôle. Franchement, les petits caméos. Bah, pas les caméos, les petits trucs cachés sont vraiment drôles comme ça. Ok, type ciseau, type pierre. On est bon, on est toute notre vie. On a 6 fois l'attaque. Je pense qu'on a moins. Oh, bah là, attends. C'est sensationnel ce début d'épisode, attends! En plus, il fait. Non, bah attendez, moi si c'est pour qu'on gagne comme ça, j'arrête la vidéo. On arrête la vidéo. On a fini la dernière, l'épisode 1, en galérant comme des gros porcs. En fait, parce que fallait battre. 60 points d'XP, je gagne mon badge, j'ai des Schmeichel, j'ai un sérum, j'ai 60 Pokéball. Ok, c'est parfait. Un membre du conseil. Donc, faut battre un membre du conseil. Ok, donc là, je pense qu'à chaque fois, ça va être ça. On va avoir 2 Rick, 2 Morty, pour battre un membre du conseil qui aura 2 Morty. Après, on va gagner un troisième Morty, on pourra voir. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Je pense que ça va être un truc comme ça. Ouais. Quoi? Rick l'investisseur, tu peux te faire davantage d'argent. Ah, faut investir de l'argent et attendre 3 heures et on a un retour en Schmeichel. C'est du farm. Du farm à mort. Ouais, je sais pas sur l'émulateur Android par contre comment ça se passe. Ah ouais. Je suis sûr que ça fonctionne. Ouais, j'avais vu. Je ferai des tests plus tard quand j'aurai beaucoup d'argent. Ouais. Bon, on va les soigner forcément, nos Schmeichel. Nos Schmeichel. Le mec il mélange tout. L'argent, les monstres, enfin les riffs, les mortiers et les Schmeichel. Il mélange tout. J'ai déjà du mal dans le dessin animé à différencier Rick de Morty. Ouais, vraiment. Ça, c'est normal en même temps. J'ai trop de mal, mais avec les noms je suis nul. Voilà. Donc à chaque fois. Tout le temps avec Morty. Rick Morty. Summer c'est facile, tu vois. Ouais, Le père, comment il s'appelle? En plus, tu l'as croisé dans ton. Ça.
Mais tu l'avais croisé, je sais plus où. Bah, au début, quand t'avais testé le jeu. Ah, quand j'avais testé sur mon portable, j'avais croisé, c'est vrai. Alors, on va essayer de fabriquer un objet avant d'aller voir le membre du conseil. Tu peux bouger, s'il te plaît? Ah, putain. Mais casse-couille, mais casse-toi. Voilà. On va essayer de fabriquer un truc. Ajouter. Donc, on va essayer des recettes à deux déjà. Donc, pour les inventions, tu voudrais mélanger quoi? Un tube de jus? Ouais. Avec quoi? Une boîte de conserve? Attends, mais faut quand même lire. À appliquer généreusement pour rendre certains objets plus durs et plus. Plus purs et plus durs. Bah, le flib. Le flib? Ah, on peut fabriquer un truc. Ah oui. Ok, allons-y. Première recette trouvée. Je suis trop forte, moi. Ouais, bien joué, bien joué. Trop bien. C'est quoi, c'est quoi? Un flib purifié. Ok. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Alors là, on va le voir, du coup, notre recette. Normalement, elle va être dedans. Voilà. Un flib purifié. Très bien. Un flib purifié d'une grande puissance. Donc, on va regarder ce que c'est. Ah, c'est pour fabriquer des trucs. D'accord. Donc, ça tourne un peu. Donc, on va remettre un tube, un jus de tube là. un jus de tube. Moi, j'ai envie d'essayer avec la boîte de conserve. Je sais pas si ça va marcher. Non. Non. Donc, on va essayer avec la pile. Non. Ah, si. Ah, on essaye. Oui. Fabriquons. Ça rend une pile plus dure et plus pure. Alors je suppose qu'on va voir, on va fabriquer des objets qui nous serviront à fabriquer d'autres objets. Une pile super chargée. Et on pourra aussi fabriquer des objets qui, eux, seront à utiliser dans le jeu. Qui seront dans tes objets, du coup. Ouais, je pense. Parce que je crois pas qu'on puisse utiliser des trucs comme ça. Ah si, on peut utiliser des trucs comme ça. Ah ouais. Ah bah la pile. Avec la pile super chargée. Ouais. Ah, t'as mis. J'ai mis le flib, j'ai pas fait exprès. Avec une pile super chargée. Ouais. Ah non. Non. C'est le sérum. Ah, c'est plus ça, genre. Les deux objets classiques. Non. Non. Non, non, attends, attends. Je me suis déjà le truc plutonique avec, tu vois, tous les trucs qu'on a. Ah, c'est un visage le flux, j'ai même pas fait gaffe. Parce qu'on voyait pas là-dessus. Ouais. Flux de papier, j'ai essayé. La boîte de conserve, du coup, on va essayer. Bon, j'essaie un peu tout, hein, tant qu'à faire. Tu peux passer le zir à partir. Ouais. Bah, le tube. Ouais, de toute façon, on va pas faire ça pendant 3 heures, mais j'ai envie d'essayer. Non, bon, on peut pas. Donc là, tu me disais plutôt de mettre un sérum avec le tube, ça marche pas. Avec, on va faire les trucs qu'on pense logique. La pile, tu dirais, toi? Ouais. Fabriquons ça. Attention, parce que ça te gâche tout ça. Ouais, mais faut bien découvrir des choses dans la vie. Hein. C'est vrai. Ah, un sérum sensationnel. Waouh! Ça c'est cool. Sortons d'ici et regardons ça. Qu'est-ce que c'est que le sérum sensationnel? Restons 200 PV! J'ai pas envie d'utiliser du coup moi! Mais je veux pas utiliser ça moi du coup! Bah faut le garder vraiment de côté. Je pense que je regarderai des recettes de ça sur internet. Oui, je pense qu'il y en a plein. Ouais, je regarderai, je me spoilerai quoi, parce que c'est pour tout tester et gâcher des objets. Parce que le problème c'est que c'est facile quand tu dépenses du vrai argent, mais là si on a aussi peu d'objets à chaque fois. Alors, tu réussis à venir passer sans te faire tuer, il faut croire que... I guess you are my addition. Let's battle. Ils ont oublié de traduire, en fait. Non, je pense qu'il fait exprès. Tu veux défier Paris première. Rec Exo Alpha, on a un Rec Morty débraillé qui est niveau supérieur et qui est de type meilleur. On va lui niquer sa gueule. What? Oh, il a changé du coup, le bâtard, son petit papier. Putain, bah je change direct aussi, moi. Oh, enculé. Il est génial, le mortier effrayant. Ok, tu vas voir mon gars. On va te foutre une explosion dans la gueule. Ah, elle pleure du coup pour regarder ce que ça fait. Ah oui, j'ai pas regardé. Ah, pas mal. Alors, attaquer. Pleure, ça fait... C'est un debuff de défense, en fait. Ça va lui enlever de la défense. Ok, bah non. J'ai envie d'attaquer. Oui. J'ai envie de le faire en mode warrior, en fait. Chaud. J'arrête pas de rater mon attaque, c'est chaud. On va faire pleurer du coup. Oh. Ok, ça a baissé son attaque. Et sur la défense, et on va essayer l'explosion, mais ça passera pas. Voilà. Ah. C'est chaud, c'est chaud. On va donc choper notre mortier normal, bah, type pierre qui va être moins bon, mais bon, on lui a baissé son machin. Donc peut-être que là, on lui va le balancer un claquement. Oh, ça va lui faire trop mal. Ah, ça va. Ça va, ça va.
Oh, c'est chaud! On va jamais réussir à battre l'autre du coup. Allez! Ouais, c'est chaud là. Et j'utiliserai pas mon super serum. Hein. Non. C'est hors d'occasion, 200 PV, t'es fou quoi. Ça m'a coûté une pile plus un truc pour faire la pile de recharger. Ouais. Attends, mets-le bien tantôt parce que tu vas être tout le temps comme ça. Ah non, 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 non. On atteint le niveau 8. Ah. Bien. Mais. J'ai appris Fléau. Ah, c'est quoi Fléau? C'est plus puissant, ouais. Puissance 65 et l'autre. C'est un type normal. Ouais, mais j'ai envie de prendre le type pierre. Tu vois? Parce que logique, parce que je lui fais trop mal, tu vois. Ouais. Donc avec de la chance. Voilà, avec de la chance, je peux le battre, quoi. Si je rate pas mon attaque. Putain. J'ai pas chance, on le notera tous, j'ai raté mon attaque. Quoi. J'ai raté mon attaque. Bon, je vais retourner les battre, ça devrait le faire. Est-ce que je mets d'abord mon type normal? Je vais remettre mon type normal en premier. Il y a des chances que lui il fasse la même strat. Tu vois? Ouais. Pourquoi tu gueules comme ça? Ouais. Ouais, on va faire ça. On va remettre le type normal en premier. Voilà, j'ai fait 10 objets, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Changer, tac. Et on va retourner le battre, ce salaud du membre du conseil qui m'énerve un peu. Je vois pas pourquoi il m'attaque déjà. Il m'a content. Non, mais je pense que c'est ça en fait. À chaque fois, on va pouvoir avoir un morti de plus parce que je sais pas combien il y a de membres du conseil à battre. Ah, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Il faut croire que Yo Gas Maiden. Non, je pense que c'est fait exprès. Vraiment. D'accord. Le jeu a été traduit en français, hein. Ouais, mais je pense que c'est meilleur en traduction, ça arrive souvent, je pense que les parties peuvent traduire. Moi, après, c'est mon avis, hein, personnellement. Ouais, je pense pas. Ne juge pas, hein. Je te juge, je pense pas. Ok, il fait pas la même strat en fait. C'est vraiment en fonction de mon type, il a mis un autre type, ce qui est logique. Donc on va vraiment essayer de l'attaquer vraiment en mode normal. Et on va même le garder je pense pour le deuxième. Pour pas perdre de tour. Et puis on a notre autre morti derrière. On s'en fout. Ouais. Par contre sur l'autre, ouais, l'attaque de type tir sur la feuille ce sera pas bon. Par contre on va utiliser notre autre attaque qu'on a eue. Qui est de type normal tu vois. Ouais. On va utiliser notre attaque fléau. Ah oui. Marche plutôt bien. On a fait un coup critique. Ouais. Donc, elle risque. Elle marche peut-être pas aussi bien que ça. Ah bah, si, quand même. Ah, j'ai fait un autre coup critique. Et là, on le bat direct. Mais c'est très bon tout ça. Ah, c'était vraiment pas de chance. On a reçu le trophée de membre du conseil. C'est ça les trophées qu'on a au-dessus. Très bien. J'ai dédroyé un trophée, un succès et 1000 XP. Cool. On a gagné 300 Schmeckles. Ah, un coupon. Vous avez raison. On gagne. C'est souvent comme ça dans les jeux Android. J'avais fait beaucoup qui étaient payants comme ça et c'est souvent comme ça. Il faudra avoir 6 badges pour avoir notre piste au portail. Très bien. Et donc là, on nous renvoie dans une autre dimension, je suppose. Gagne 4 badges supplémentaires pour affronter le prochain membre du conseil. 4 badges! D'accord, ça va pas être boulot. Tu as un coupon, tu sais, machine à Bleach Chips Express pour l'utiliser. Bah écoute, on va essayer. Hein. C'est sur ça? Ouais. Tu peux maintenant utiliser des babos de morti pour les pistes morti. D'accord, et là, je pense que j'ai débloqué les Pokéballs. Et bah écoute, on va utiliser un coupon? Allez. C'est fait pour, hein! C'est trop mignon! C'est comme les gachapons, c'est des gachapons, c'est trop bien! Incroyable, super! Ah, déception! La déception, c'est aussi! Ah! Anti-paralyse, ça c'est pas mal! Oh, un sérum pur! Une boîte de Mississix! Non, attends, j'avoue, on a plein de trucs, quoi! Un mortier de la fourchette de niveau 7! Wouah! Ah! Mortier de la fourchette! C'est trop bien! Ah mais des coupons en fait, oui, c'est... J'ai un morti à fourchette en dessous là maintenant ici. Dans ma team. Je pense qu'il est dans ma team du coup maintenant. Bah, oui. Et c'est un type quoi du coup? J'ai même pas fait gaffe en fait. Oh je suis trop content là. Franchement je suis trop content. Ouais, c'est trop cool. Morti à fourchette et type pierre, ah c'est con. Ah ça c'est con. Après bon, on a deux types pierre avec un type 7 quand même tu vois donc... Ah, oui. On peut envoyer du rêve là. Je suis content là, je suis content de vous. Ok, du coup maintenant je pense qu'on va pouvoir aller voir. Donc on peut modifier nos mortis. C'est-à-dire quoi? Déjà on va soigner. La base. On guérit, c'est gratuit, on se fait plaisir. D'ailleurs, si tu parles à un des Rick qui est là, je sais plus lequel, tu lui dis, tu lui parles, il te dit juste à côté, dit, c'est quand même dingue, c'est celui-là, je crois. Non, c'est pas lui. Je sais plus lequel qui te dit, c'était lui. Hop, non. Okay.
Ok, génial, lui. Après, c'est de l'aléatoire. Hein. Le monde est magnifique. Ok, c'est pas ça. Il y en a un qui te dit, c'est quand même incroyable quand même que ce soit gratuit de soigner ses morts. Il pourrait faire payer ça, je sais plus quoi, un truc drôle quoi. Alors, est-ce qu'on peut maintenant acheter des Pokéball? Alzinga. Après ça, la moitié des PV d'un mortique conclu. Oui, c'est pour ramener de la vie. Non, on peut toujours pas, donc je vais acheter deux sérums. C'est un revive dans le Pokémon. Oui, ça s'appelle un rappel. Bah, c'est en anglais, c'est revive. Ah, d'accord, tu joues en anglais à Pokémon, toi Pokémon Go. Donc, comment on peut modifier ses mortis? C'est où? C'est en bas? Il y a un modificateur de mortis? Non, pas du tout de ça. Je sais pas. Ah, c'est le bâillement. Le jeu de mortis. Le jeu de mortis, tu peux peut-être y aller. Tu peux essayer. Mais si, il me disait qu'il va falloir être plus puissant, je me rappelle. C'était où? Tu pourras venir me voir, on sera plus puissant. La bonne mortie, voilà. Mets-nous la bonne mortie, l'endroit le plus sûr pour modifier la mortie. Alors, comment ça modifier? Sélectionner la mortie. Ok, on va sélectionner notre mortie débraillée. Mortie n'a pas d'autre côté à prendre. Ok, si je prends le mortie de base. Mortie n'a pas d'autre côté à prendre. D'accord. Mortie à prochaine. C'est mortier. Sa tête est trop cool. Mais il faut des coupons en fait, c'est ça. Et en fait, les coupons c'est quand même cher. C'est 1€ le coupon. Ah, okay. Mal au cul, hein, je tiens à le dire. Est-ce que si on a un coupon, ça nous met des attaques possibles? Je sais pas. Bon, écoutez, on va essayer de retourner à l'aventure. On va essayer d'aller battre des mortis. Alors, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas de Pokéball. Hein. Ça. Pas de Pokéball, vous m'avez compris. Hein, de puces électroniques. Exactement. Donc, il va nous falloir 5 badges de plus pour pouvoir aller à la prochaine zone. Ah, un objet. Oh, il y a un morti trop bien là. Ah, ça m'énerve de pas avoir. Morti, pied. Oh, ça m'énerve. Un sérum, un flib. Le flib, ça a l'air pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. On a l'air de pouvoir les combiner avec pas mal de trucs. Il y a un morti. Couteau. Morti couteau. Et on a morti fourchette. C'est dingue ça. Oh. Alors, on voit le morti qu'il a, le dresseur du coup. On peut se préparer à l'avance dans l'ordre de ses mortis du coup. Si on les connaît. Si on les connaît, oui. C'est un mortier à la cuillère. Oui, autant pour moi. Et j'ai bien fait du coup de prendre mon mortier normal. Et on va utiliser l'explosion. Je suis content d'avoir une équipe de 3 mortiers. Ouais, et lui, il a une équipe de 2 mortiers du coup. Ah, c'est chaud. Ah, non, c'est bon, ça augmente. Maintenant, du coup, ils sont. Ah oui, c'est chaud. Faut toujours un mortier de plus. C'est ce qu'on peut dire. J'adore les conversations. Oui, j'ai 3 mortis, et toi? J'ai 4 mortis. T'as un morti de plus, comment va ton morti? Ah la vache, allez mon gars! Pleure. C'est vraiment ça. Fais-le pleurer, putain. Mais non, mais c'est super chiant. Moi je veux attaquer. Bah, je mais c'est quoi son type? Je sais pas. C'est un. On peut le libérer? On peut libérer son morti. Ouais, mais là ça tient. J'aurais pas dû faire ça. Fléau. Mais oui, mais le problème c'est quoi? Après, moi j'ai plus que 2 mortis. Ouais. Ouais. Oh, pas évident, hein. Ah. Comment on peut. Maintenant. Allez, mais vas-y, attaque là! J'arrête pas de rater mes attaques, c'est super chiant. Elle est pas précise, Fléo, en fait. J'ai l'impression, parce que je l'avais déjà raté la dernière fois, tu vois. Ah. Elle est comment, Fléo? Bah, si, elle a 95%, je comprends pas. J'arrête pas de la rater. Mais ta précision qui diminue à cause de ces trucs là. Ouais, mais dès le début, je l'ai raté. Non? Dès le deuxième que j'ai envoyé. Bishmakers! Bou 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 bou! Et là on a. Ah oui, du coup on voit, il avait 2 mortis, d'accord, je comprends. Oh, un morti sans yeux! Ah. Si t'attrapes 2 mortis du même type, tu peux les combiner à la crèche de mortis. Ah, ah bah voilà! Ta fourchette et ton débraillé. Ah bah je ferai ça au prochain coup, je m'en fous, même si j'ai que 2 mortis du coup. Ouais. Oh putain, il y a 2 mortis lui aussi. C'est chiant. Faut que je mette mon morti pierre en premier, parce que c'est un morti moustache. Les morti moustache, ils sont de type ciseaux. Ah,
Et il a une moustache. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Chaud de les connaître par cœur, par contre. Bah moi, je connais par contre celui-là, tu vois. Oui, oui, mais à force, il y en a beaucoup. Mais pour savoir chacun quel type ils sont, c'est compliqué. J'en fous, j'en ouf. Je sais tout. J'ai tout noté. Ah, il a plein de badges, lui. Okay. Ok, on va y arriver, on va y arriver. On va faire une petite explosion. Lécher. On peut lécher la moustache. Oh. On va voir ce que ça fait lécher. Comme c'est une attaque de debuff parce qu'elle est en violet. Ouais. Debuff. Okay. C'est un debuff de vitesse. Mmh. Ok. Ok, mais non. Puissance faible en plus. Non, et puis un debuff de vitesse que je. Okay. Je crois. Faut vraiment enlever beaucoup de la vitesse pour avoir deux attaques d'avance. Oh, c'est pathétique. Ouais, c'est pathétique. C'est un type ciseau, il est pathétique. Alors, est-ce qu'il va nous mettre le type? Ah! Non, giga. Ah, c'est quoi ce morceau? Non, on continue avec le même. C'est un type quoi papier, putain, je savais pas. C'est logique. On va faire quand même explosion. Hein. Mais c'est quoi cette gueule? Tiens, il y a qui là? Enfin, son, il fait. De toute façon, c'est pas une attaque de tic pierre en fait. Hein. Ce qu'on a. Oui, oui. Donc, théoriquement, ça va quoi. Théoriquement. On devrait pouvoir le battre. On devrait pouvoir le battre. Et c'est gagné. Oh, pardon. Oh, il m'a fait peur. Allez, des schmeckles. Allez, une pierre. On va pouvoir combiner des objets. Peut-être que tu redonnes des PA, justement. Des PA. Oh. 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 On m'a dit dans l'oreillette que tu as perdu ton oreillette. Exactement. On va combiner quoi? Ah, t'as du sérum cul. Ok, elle sort tous les PV. C'est plutôt cool. Anti-paralysie. Tue instantanément un autre morti. D'accord. Soigne un morti paralysé. Augmente la moitié. Putain, mais what the fuck. Alors, on va combiner une boîte de conserve. Et un câble. Et un câble. Je pensais tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va faire quelque chose. Ouais. Un collier de mortier, c'est moi. Si ça collait mortier, ça serait trop classe pour l'humain. C'est écrit collier pour chien. Ah bon? Ouais, en bas. Ah bon? Ouais, c'est écrit. Ok. À quoi sert ce collier pour chien? What? Pas seulement pour les chiens. Je peux l'utiliser. What, c'est pour les mortis quoi, on peut le mettre sur les mortis. C'est ça en fait. Alors essaye de combiner avec quelque chose. Ouais, essayez. Avec quoi tu veux le combiner? Avec le flip. Le flip ça passe pour tout. Et non. Incompatible. Tu vois en fait c'est écrit en bas ce que ça va faire. Tu gâches pas tes objets en fait si tu essayes. La câble? Non. Bah écoute, j'en sais rien moi. Non, un sérum. Tu sais, ça me fait penser d'ailleurs au jeu de... Un flip purifié. Ça me fait penser au jeu de Adventure Time en fait. Tu combines... Oui, les objets, ouais. Ouais. Bah c'est très RPG, ça combine... Ah, quand même, tiens. Wow. Ok, alors... On va... Bah, aller de l'autre côté, du coup, on n'était pas du bon côté. Bah, on est du bon côté pour avoir une machine à combiner, quoi. Une machine à... Ok, on a un morti sauvage encore. Là où on a un bit truc. Là, on n'a rien par une. Chaque dimension a un boss rig, le plus fort entraîneur de la dimension. Fais passer tes mortiers au niveau supérieur en vainquant les entraîneurs faciles à battre avant de l'affronter. Exactement ce que on disait. Que... Voilà. Parce que c'est pour Evie. On a bien vu que dans le premier épisode, c'est ça. Mais après, le problème, c'est qu'on risque de mourir là, et donc du... Soit on utilise des objets, ce qui est pourquoi pas, tu vois. Soit on... Ah, merde. Après, le mortier à la fourchette, il est cool parce qu'il a pas d'attaque... J'ai bien envie de combiner le mortier après, mais le problème, c'est qu'on aura pas de mortier. On aura que deux mortiers. Ouais. Bah après, ça peut être intelligent aussi de les combiner. De toute façon, faut essayer, j'ai envie de dire. Ah si, je perds le jeu. Non, mais vu qu'on comprend pas trop encore le jeu, exactement. Fait, tu vois. Exploser. Autant se faire tuer. Oui, voilà.
Voilà. Puis... Super. Ah. Et puis je vais essayer de... toute façon, si je meurs, je vais essayer de les combiner. Hein, direct. Ouais, je m'en fous complètement. J'en fous. C'est une attaque pire. Ouais. Bah, tu vas checker ça, moi. Ah non, tu aurais dit l'autre. Bah oui. Je pensais. Je pas pensé. Tu sais que tu veux mourir, si tu continues. Non, mais non, parce que. Ah, je pensais que ça allait le tuer. Mais non, mais franchement, je pensais que ça suffisait en fait. Je voulais pas utiliser une 10 pp quoi. Une 10 pp. Ah non, mais. Bon, bah là, je vais la refaire, tu vois. Mais je pensais vraiment que ça allait la battre en fait. J'avais beaucoup de pp sur cette attaque. Pas de PA, c'est pp dans d'autres jeux. Un mortier débraillé. Ok. Donc là, effectivement, j'utilise un fléau. Le pire contre le pire, ça sert à rien. Fait pas beaucoup. Attends, essayer les petites pierres pour voir. C'est à peu près équivalent. Est-ce que tu utilises un sérum ou est-ce que je meurs et je fais exprès de... Oh, meurs. Tu meurs ? Ok. Parce que même si tu utilises un sérum, le prochain que tu vas croiser, tu vas être mort d'os. C'est pas faux. Bon, alors on est mort. C'était un peu voulu. Vite fait. Et on va essayer, ouais, du coup, avant de finir l'épisode, d'aller combiner deux mortiers, tout à fait, à la crèche. On va combiner nos deux types pierres. Ça peut être rigolo. Ouais, ça se trouve, on va avoir un mortier, parce que du coup, on a eu le mortier à la fourchette et le mortier débraillé. Pourquoi il type pierre débraillé? Ouais, bon, faut pas chercher. Parce ouais, que, ouais, il s'est fait lancer des pierres sur la gueule. Ouais. La crèche. Bonjour, je voudrais combiner mes mortiers. Et là, c'est payant. Combiné. Il y a un camp d'entraînement, hein. Donc, ouais. Le mortier à fourchette. Et le mortier débraillé. Tu n'as pas d'autre... Ah, ah. Ils ont mal expliqué, hein. Oui. Oui. Et c'est quoi, deck? Oh, on a des decks. On peut les sélectionner. Je veux celui-là de mon deck actif. Celui-là... D'accord, sauf que bah, pour avoir d'autres mortiers, et bah bon courage à part payer. Voilà, bon courage. Bon, et bah on va se laisser là-dessus. Et bah on continuera, ça va être cool. Ouais. On va faire augmenter nos mortiers dans les prochains épisodes. Exactement. On va retourner dans une autre dimension qui sera encore une dimension aléatoire. On fera gagner des niveaux de mortiers, on sera des mortiers niveau 10. Et j'ai envie d'avoir un mortier à moustache. Ça me plairait bien parce que je le trouve trop stylé. Ou un type papy. Et c'est un type ciseau parce que mortier à moustache on n'a pas. Il y en a beaucoup de petits papiers, on croise beaucoup donc. Moi je veux le type effrayant. Le mortier effrayant. Ah, il est sympa aussi, le type papier est plutôt cool. Ouais. Là, je suis d'accord, c'est pas de cool. De toute façon, il faut qu'on ait des types différents là, deux types pierres. Enfin, bon, et bien, gros bisous, laissez-nous un pouce bleu et partagez si ça vous a plu. Et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et puis à très bientôt hein, sur la S Family. Au revoir. Salut.